côté de toi, t'es libre au constant tout le temps dans la présence. Et je t'amène pour faire chaud à ce moment-là. Amen. Et t'es donc prêt. Amen. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes dans le rayon de l'enseignement et aussi nous en connexion avec ceux, et beaucoup spécial à ceux qui nous viennent de live à la maison. Et aujourd'hui, la semaine dernière, pour faire récapitulation d'un petit moment, la semaine dernière, nous terminons le sujet. Amen. Mais avant toute chose, et nous pouvons, avant qu'il nous vienne la parole de Dieu, nous commence une série de l'enseignement qui nous appelle d'étudier. Amen. Donc, ça va l'enseignement-là, nous dire tout le monde a fait élémentaire. Tout le monde chose élémentaire. Amen. Bon, c'est un petit souci, ne vous inquiétez pas. Amen. Nous dit tout le monde quelque chose qui est élémentaire. Ça veut dire que nous verrons dans base. Amen. Amen. Et quand nous verrons dans base, qui vous aide, nous, je tout le monde nouveau qui fait connecter avec nous, qui vous aide, ceux qui, quelque part, nous capables de prendre une seule base, nous capables de continuer et nous aller. Pour faire un petit bref avant qu'il nous capable de continuer, et nous pouvons toucher quelque chose qui est vraiment simple et élémentaire, et quelque chose qui est vraiment important. Amen. Amen. La semaine dernière, nous terminons une série de messages. Amen. Nous terminons cela concernant le Saint-Esprit, un ami merveilleux. Amen. Aujourd'hui, nous vous prenons un autre sujet. Un sujet qui est vraiment important. Amen. Et ce sujet, un petit moment, nous vous dit très vite, mais avant toute chose, on va baser ce qui venait vous dire sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Un nouveau sujet, et quelque part, nous vous laissons le Saint-Esprit guider nous, l'autre ce sujet-là qui nous capable de ressentir qu'il est important. Amen. Et quelque part, définitivement, c'est un sujet qui tourne dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 23 à 26. Amen. Et par rapport à ça, je vous gagne une petite idée de qui vous allez. Et le même sujet, vous titrez le sujet. Et le thème qui nous peut toucher, c'est comprendre la Sainte-Sainte. Amen. Le Saint repas du Seigneur. Amen. Frère, on déjà connaît ça, frère. Ok. Nous capables, déjà qu'au niveau du bon, qui nous capables de réécouter, pour nous capables de comprendre. Et un des mêmes raisons. Pourquoi nous payons tous ce sujet-là au bout de nos vies? Parce qu'il y a beaucoup de gens nouveaux qui vivent au milieu de nous. Amen. Il y a beaucoup de ceux qui nous font baptiser. Et quelque part, je commence à participer au corps de Christ. Et c'est un enseignement qui doit être une base à tout le monde qui aime. Et quelque part, il est capable d'aider pour nous capables de comprendre. Et il y a beaucoup de gens anciens qui, quelque part, sont capables de connaître le sujet. Mais il y a d'autres aussi qui sont capables de récomprendre parce que c'est un thème important. Et tout vraiment, c'est un thème important. C'est une base, comprends-moi bien. Il y a des fois, nous capables de partager l'opinion. Amen. L'opinion, quand Jésus-Christ est venu, vous retournez. Mais il y a important de comprendre que ça, ce n'est pas nous partager de l'opinion. Ça, c'est la base doctrinale. C'est une doctrine fondée dans la chrétienté. Pour prendre l'exemple, une doctrine fondée dans la chrétienté, c'est le baptême. C'est quelque chose qui est profond et c'est quelque chose qui nous va guetter. Amen. Et aussi, quelque part, ma nouveau. Qui est capable de rejoindre avec nous, pardon, vos rédits. Mais ancien, et dans deux fois, nous tellement gain routine, nous prenons l'exemple, une routine du Saint-Repas du Seigneur, qui nous m'a une religion, et quelque part, beaucoup d'entre nous, nous devons lever, pour pas de nous tôt, parce que moi-même, je dis comme ça, nous devons lever, nous un fondement qui, quelque part, nous fait sans qu'il nous comprend. Vous avez compris, moi? Et dans deux fois, pour pas faire du juge personne, parce que moi-même, beaucoup de manquent quelque chose, nous grandit sans qu'il nous comprend. Mais poussé par le Saint-Esprit, Dieu, dans des fois, il révèle, nous lui montre. Il n'est pas plus meilleur que personne. Amen. Mais il y a pourtant de comprendre que nous pouvons rentrer dans un sujet vraiment profond, parce que nous devons connaître ces magnifiques choses doctrinales, profondes. Mais nouveau qui est au milieu de nous et ceux qui sont capables de nous, beaucoup d'entre nous, nous venons à l'église, première fois, nous rentrons dans une réunion, nous assisés. Quand nous assisés, nous trouvons, comment dire, arrive à la fin du message, mais ça se finit, nous trouvons beaucoup de personnes participent au corps, nous ne pas connaître qui était ça. Beaucoup de fois, nous jugent les gens qui nous connaissent. Et beaucoup de fois, nous sentons un petit monde qui nous vaut quand je trouve un saint repas, le Seigneur qui nous appelle la Sainte-Sainte. Mais passer, sauver l'expression, je sentis ce gosse, je ne pas comprendre, je ne pas être dans la connaissance. Et aussi, je t'envie, il y a beaucoup entre eux, je capable envie de connaître qui était ça. C'est un message complet qui nous vous prend à partir d'aujourd'hui. Le point profond de vous continuer. Et aussi, les points de bénéfice pour tout le monde qui fait prendre le baptême. Oui, amen.
Je peux comprendre, moi, je suis capable de comprendre que tu peux aller kiffer de faire ça, et surtout, tu m'as nouveau qui vient, je suis capable de sauver l'expression moderne comme ça, et le train qui peut aller, je suis le train là, connaît qui direction le train là peut aller. Amen. Et on nous pourrons dans ce sujet-là. Amen. Amen. Mais on va lire la parole de Dieu, vous mettez l'Orène Basse, le livre de 1 Corinthiens 11, le verset 22-23. Amen. Et justement, nous sommes importants à ça avec eux. Le voilà, petit mot, ça passe comme ça dans mon tête, just downloaded from heaven. On peut dire qu'il y a un Kiken qui, dans les années 1900, soit 1800, fit faire un petit prise de l'écriture. Il fit écrire, il appelle ça une code, il fit envoyer. Il dit comme cela, dans les années 21, peut-être dans le 21e siècle, pas pour un dimoun qui pas connaît, c'est pas un dimoun qui pas connaît l'éducation. Tends-moi bien. Il dit un dimoun qui pas connaît, c'est un dimoun qui se fit apprendre, je ne reste comme ça, je ne parle d'apprendre pour réapprendre. Je peux comprendre pourquoi vous dites ça. C'est-à-dire qu'il y a une petite chose, tout le temps nous enseignons ça à l'église, une fluidité. Laisse-nous tout le temps rester fluide. C'est-à-dire que quelque part, nous continuons, comme on dit. Et là, quelqu'un dit qu'il y a un frère, moi, je me connais la Bible portée à mon frère. Moi, je vous dis, pour moi, personnellement, non, il me reconnaît. Nous puis encore capables, nous puis encore fouiller. Du moment où nous venons qu'elle l'approche envers Dieu, nous trempons la Bible tous les jours, Seigneur, je suis rien, montre-moi. Amen. Dieu vous aimer d'être. Mais tandis que nous venons qu'elle pensée du contour, le Saint-Esprit dit, tu contour, mais moi, je vous ai montré toi. Vous êtes comprends moi? C'est-à-dire que Dieu m'a bizarre à part. M'a bizarre à part. Amen. Moi-même, tous les jours, je me dis, Seigneur, mon ennemi, m'a bizarre à toi, m'a bizarre à part. Amen. Mais là, nous trouvons que Dieu est révélé nous. Amen. Dieu est content ça. Amen. Maintenant, le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23, que la plupart de nos frères qui habitaient et servaient à la table de la Sainte-Sainte se prend ça, mais il est important aussi maintenant de comprendre. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas vite, nous ne pouvons pas comprendre de son racine du bruit. Et il pourrait être bénéfice pour tout le monde. Crois-moi, mon bénéfice, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est Paul qui m'a causé. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, pris du vin. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Comme toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. On va dire Dieu merci ce soir pour ce parole. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu, Papa, vous priez, Seigneur Dieu, de ouvrir l'église. Te montrez-nous, Seigneur Dieu. Papa, vous priez, vous connaissez que personne ne va finir n'abandonne un homme. Mais vous priez, toi qui te servis, nous consacre de parole, Papa. Que cette église au fondement y grandit. Ceux qui à la maison de te recevoir, que ta parole est capable, Seigneur Dieu, de promouvoir la connaissance de ton peuple. Holy Spirit of God, I welcome you. Sans toi, nous sommes rien. Et vous déclarez, lorsqu'à réunion à l'île de Zacharie 4, verset 7, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Put your words in my mouth, Holy Spirit of God. Let the words be like fire. Que ma langue soit comme la pluie. Dans la vie d'écrit, mais vous glorifiez toi, Papa. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Jésus-Christ. Amen. Et vous faites objectif. C'est quoi l'objectif? C'est que, à la fin de ce message, vous êtes capable de comprendre. C'est-à-dire que, quelque part, vous finissez de connaître le qui m'a sujet qui nous vous passez. Maintenant, et à la fin de notre message, de tout mon message qui vous prêchez sur la Sainte-Seine, l'objectif de cet enseignement, c'est que nous allons comprendre que le Saint Repas du Seigneur, qui nous appelle la Sainte-Seine, dit commencer sur l'origine. Amen. Qui faire le bizarre faire? Troisième, sur raison qui fait le faire. Quatrième, qui se bénéfice spirituel qui vient amené dans la vie. Cinquième, est-ce qui lui est nécessaire qui nous fait vivre. Sixième, est-ce que tout le monde est capable de prendre. Septième, huitième, combien de fois est capable de prendre. Amen. Et aussi, à la fin de tout, nous pouvons être quelque chose qui, surtout moi, quelqu'un qui a été servi Internet, de trouver ça FAQ. Amen. Ok, FAQ. C'est quoi? C'est Frequently Asked Question. C'est que nous trouvons moi, quelqu'un qui, quelque part, a une question par rapport à la Sainte-Sainte. Amen. Nous pouvons répondre tous à ma question là pour nous gagner un repas complet qui, quelque part, je n'ai au nom de Jésus-Christ la connaissance de ce sujet. Amen. C'est ça, mon objectif qui nous vous prend. Maintenant, nous commençons au commencement à zéro. Amen. Et il est important de prendre les notes, d'écrire,
Et ceux qui à la maison aussi prennent cette plume, ce papier, ça vous aide beaucoup. Nous commençons par le commencement. Amen. Le livre de Genèse, chapitre 14, le verset 18. Amen. Maintenant, on va commencer par le commencement. Amen. Et aujourd'hui, nous venons la Bible de livre de Genèse 14, verset 18. Il parle de Melchisédek. Amen. Est-ce que la question se pose, est-ce que dans l'Ancien Testament, c'est énorme le Saint-Repas du Seigneur? Amen. Donne-moi quelques secondes, on va répondre ça. Toutes ces choses aujourd'hui, ne vous coupe pas le message. Amen. Vous n'êtes capable de bénéficier du maximum. On va commencer le livre de Genèse, chapitre 14, le verset 18. Amen. Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, le Dieu Très-Haut, par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Amen. Et là, l'histoire de Melchisédek, le livre d'Hébreux, chapitre 7, il parle que là, Melchisédek veut dire le roi de justice, Salem, c'est Jérusalem, Jérusalem, c'est la ville de la paix. Mais moi, j'ai envie de faire comprendre moi bien important de souligner que dans l'Ancien Testament, partenant le Saint-Repas du Seigneur. Mais quelque part, ça verset là, c'est un faux shadow, c'est une petite chose qui vous montrer. Regarde qui s'en a. Je vais prendre l'exemple. Vous êtes capable de comprendre une des choses qui est parallèle. Nous prenons l'Ancien Testament, nous trouvons un parallèle dans le Nouveau Testament. Les quelque part, le roi, le sacrificateur, le roi, ok, Melchisédek, qui veut dire roi de justice, il sortit d'un endroit de paix, il prend le pain, le vin qu'il apporte à Abraham. Amen. Il est important de comprendre que cela, dans le livre d'Hébreux, il représente Jésus-Christ. Que quelque part, il peut représenter que Jésus-Christ vous bénit avec le pain et le vin. Mais on vit faire se comprendre que Abraham a fini célébrer le Saint-Repas du Seigneur dans l'Ancien Testament. Il n'est pas encore arrivé. Tu as l'air de voir l'été, comment se passent toutes ces choses. Ce n'est pas le Saint-Repas du Seigneur, mais c'était l'ombre des choses à venir. Vous avez compris moi? C'était l'ombre des choses à venir. Pas oublier que l'Ancien Testament, il explique le Nouveau Testament. Jamais je t'oublie ça. Amen. Maintenant, c'est que libéraux dire que Jésus-Christ, comme nous l'étions, ils auraient dit que nous l'étions, c'était le roi de justice. Et quelque part, il est sorti de paix, divine, apporte nous le pain et le vin. Donne-moi bien, ce n'était pas le saint repas du Seigneur. Mais mon vie fait se comprendre que dans l'Ancien Testament, tiennent le pain et le vin. Nous vous avons compris à la base et puis le vin. Dans le livre de Juges 19, verset 19, il parle de Enkiken, que quelque part, il parle que le pain et le vin, c'était quelque chose qui était commun à l'époque. Vous êtes amen? Le pain et le vin existaient dans l'Ancien Testament, mais ils étaient communs. Donne-moi bien, nous pourrons aller doucement, doucement. Nous pourrons expliquer qui le pain lui représentait. Le pain lui représente quelque part un affaire qui nous bisait tous les jours. Pourquoi ne connaissez pas un Enkiken désormais comme ça? Un jour, on est courant, on est coupé, pas gagné du pain. Comment vous sentiez-vous? Le pain, c'est il représente. Donne-moi bien, nous pouvons le guetter. Écoute-moi bien de vous faire un petit parallèle. Nous pouvons doucement, comme ça, nous pouvons vous préciser. Nous pouvons doucement parce que chaque fois que vous sortez de l'Ancien Testament nouveau, l'Ancien Nouveau, nous vous indiquez. Amen. Spirituellement, vous êtes capable de comprendre quoi nous devons dire. Ce qui m'a permis d'expliquer, je peine un ennier de extra là pour l'instant. Le pain, c'était une petite chose qui est extra important dans le temps ancien. Et pas oublier que Diri et tout ce monde d'affaires là, il ne vient pas plus moderne. Longtemps, le pain, c'était une petite chose extrêmement importante. Amen. Et quelque part, le pain, il représente la vie et il représente manger avec la vie. Amen. Et aujourd'hui, nous rentrons dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ, dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 32, écrit ça. Nous, toujours, qui nous expliquait là? Du pain et le vin. Ok? Maintenant, donne-moi bien, t'as l'air de vous casser, en fait, je viens de briller. Moi, là, directement, toi, mission, je vois du vin. T'as l'air de vous venir au lasté. Amen. Pas qu'un sacan. Nous vous cassons tous ça, ma nuit là. Nous vous rendons profond et je vous trouvez que quelque part, il y a une raison qui Jésus-Christ est fait sur la terre. Ça veut dire que vous confirmez, c'est que dans l'Ancien Testament, partie énorme. Mais le pain et le vin existaient plus de 4000 ans de cela. Le pain, il représente manger, il représente la vie. Parce qu'ils sont divers, c'est un petit peu bizarre. Et non, pas oublier, c'est non, le peuple d'Israël qui est en désert. Je dis faire le pain, appelle ça man, la man, mana. Ok, en anglais, on appelle ça mana, en hébreu, on appelle ça manhu. Ok, manhu, ça veut dire, le mot manhu veut dire, en hébreu, veut dire comme cela, qui est ça? What is this? Quand on trouve la graine, manhu.
Léa, là, ça nom mana la fin béni. Tu comprends moi? Ok? Le mot, la man veut dire qui était ça? Jamais je ne trouve ça. C'était ma petite lagrin, ma crasse, ma faire quelque chose, il y a un goût biscuit sauvé. C'est qui finit dans la Bible. Pas moi qui les aime goûter. Amen. Il est clair dans la parole de Dieu. Amen. C'est un goût, et tends-moi bien, je prie pour ça. Dans ma recherche, ma fin faire, tends-moi, ça sera important ça. Ma fin faire, et ma fin prend, après ça, ma tradition juive, ma fin descend. Ma fin expliquer que quand on mange la manne, quand on peut manger, il y a zir d'être façon. Fait que moi, on peut manger la manne, on peut penser pour le bien. C'est un petit mystère. Rien pas capable d'expliquer ça. Mais c'est vraiment ma tradition juive, maintenant tu crois que vraiment, quand on peut manger, quand on peut goûter, comme ça, on peut penser. Maintenant, on peut prendre un exemple, on peut manger la viande, on peut ça, pour l'impression qu'on peut manger ça. On peut manger et pour l'impression qu'on peut manger ça. C'est que quelque part, il crée une certaine chose. Amen. C'est pas une doctrine. Hein? Parle-moi de la manne. Amen. Manou. Le livre de Jean, chapitre 6, verset 32, et le verset 41, Jésus dit, je suis le pain qui vient des cieux. Ok? Je viens et je donne ma vie. Amen. Le pain, c'est une petite chose, une commodité, moi, mais ça, extrêmement important. Mon besoin du pain pour vivre. Longtemps, à ce temps-là, une boye de manger. Longtemps, du pain, c'était une petite chose extrêmement important. Amen. Pour cette information, Jésus-Christ était venu de Bethléem. Amen. Et il est là-bas, c'est la ville des pains. Bethléem. Ok? La ville des pains. Deuxième petite chose, nous pouvons le guetter maintenant. Du tout, connaît maintenant que le pain, c'est une chose extrêmement important. Il représente la vie. Et qu'il représente quelque part Jésus-Christ qui dit dans la parole de l'île de Jean qui m'obéit de la vie. Amen. Nous dire le pain, nous dire le pain. Maintenant, le fruit de la vie. Beaucoup pensent, quand ils pensent le fruit de la vie, suis-moi, il est extrêmement important. Beaucoup d'entre nous, quand nous pensons le fruit de la vie, nous pensons un démon alcoolique qui souffre. Comment nous pensons une cause écrit, Mauricien, plus ou moins. Comment nous pensons le vin, nous gagnons pire. Et beaucoup de gens ont peur pour dire ce mot-là sur la table de la Sainte-Seine. Ok, voici c'est la coupe qui représente mon sang. C'est le vin. Et maintenant, le fruit de la vie. Vous voulez, frère, pas dire divin dans l'église. Donc, maintenant, nous parlons d'une petite chose. C'est la sagesse de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de fois dans ma nouveau. Mais je sais comprendre que divin, limite d'un fruit qui appelle raisin. Raisin, comment on mange raisin? Si tout le monde mange raisin, tu finis sous. Raisin dans lui-même, il n'est pas alcoolique. Comprends-moi bien. Raisin d'être pressé. Quand il est pressé, gagne sa jus là n'est pas alcoolique. Faut dire qu'on prend jus là, on met fermenté. Les là, il est alcoolique. Tiens, ça dans la tête. Comment prendre du vin? Bien sûr. Non. Premier, maintenant, il y a plusieurs grades de vin. Tends-moi bien. Quand on prend le vin, Dieu permet, gloire à Dieu, pour qu'il arrive de ça, on prend l'île, on met l'île dans un barrique. Maintenant, c'était la tradition qui tout du monde ministre rentre là-dedans, bosse là-dedans. Crasez-moi, les soins de nos ça. Amen. Maintenant, tends-moi bien, le meilleur vin gagné, quand on prend ça, raisin là, on pose là, il part descendre avec son propre la fosse, ça premier grade divin là. Maintenant, le vin, tiens, ça s'appelle l'alcool là de ce plat. Le vin, quand il fermenté, il est alcoolique. Le vin, quand il sortit du fruit, il n'est pas alcoolique. Mon gars, et tends-moi bien, le vin, c'est quelque chose qui. Bien commun dans le passé, mais seulement il y a une petite chose qui existe pour ma raison spécifique. Voyage, à l'os des canons. Existe un voyage qui vous voit différent. Je vais comprendre moi. Il y a une petite chose qui est commun, oui, mais seulement il y a une spécification qui vous dit. Amen. Est-ce que ça fait l'alcool net sur la tête là? Amen. Okay, c'est bon. Hein? Allez, ok. Non, allez. Maintenant, les raisins rouges étaient communs en Israël. Et c'est comparé dans le temps moderne, comme on dit, mon gars, la boisson, et ma soft drink, c'est-à-dire qu'il m'a de la boisson, comme on dit, c'était commun. Mais seulement, comment obtenir du vin, et ça n'appelle ça le fruit de la vie, c'est que premièrement, tu es sans alcool, et tu mets de pression, et ça a juste à petit sortir. Deuxièmement, pour me capable de faire mon lit, j'ai besoin de mettre une chose qui m'appelle lisse, pour mettre lisse dans un pot, amen. On met dans le skin, le wine skin. On met dans la dent, les mots fermentés, les là nous gagnent en alcool. Et tends-moi bien sur caractéristiques. L'iti rouge et l'iti capable tasmanlent. L'i presque en amène certaines caractéristiques du sang, il est presque pareil. Je vais comprendre moi là. Tout besoin et que nous voilà là.
Si vous êtes capable, vous m'avez dit, nous pèse et pose, nous arrêtons un timide. Et vous guettez tout ce que le pain veut dire et que le vin veut dire. Maintenant, c'était un long avenir. Tenez-moi bien. Il paraît comme Jésus. Le pain était, tenez-moi comme le pain était accessible à tout le monde. Jésus-Christ était accessible à tout le monde. Maintenant, le pain qu'on lui donne la vie, Jésus-Christ, il vous donne la vie. Amen. Tenez-moi bien, tout ce qui nous vous dit là, vous connectez là. Parce que pour sauver l'expression, tu as l'air de pouvoir dire celui qui mange de ma chair, boit de mon sang. Là, je vois, comprends qui fait Jésus-Christ, il est le seul. Ok? Il représente la vie. Maintenant, concernant ça, c'est le pain. Maintenant, concernant le vin, qui nous appelle le fruit de la vie, il dit commun, mais d'y être servi dans ma occasion spéciale. Amen. Ok? C'est-à-dire que quand vous servez le Saint-Repas, c'est une occasion spéciale. C'est-à-dire que tout ce qui nous peut expliquer, vous pouvez dans sur raison spécifique. Maintenant, le vin, le fruit de la vie, tient pressionné pour gagner le jus, qui représente que Jésus-Christ se découvre, qui vient meurtri pour être capable de nous équiper. Ouais. Troisième, le sang rouge, l'itasmanlèse. Et il a une certaine caractéristique du vin qui est semblable au sang. Je vais comprendre moi-même. Amen. Maintenant, ce qu'a l'air d'une fille capable de comprendre, des petites choses. Dans l'Ancien Testament, on a participé pratique le Saint-Repas du Seigneur. Mais le vin est le pain type commun. Et ce qui m'a envie aujourd'hui, explique-moi, c'est que pourquoi dans l'Ancien Testament, on a participé pratique. Qui m'a expliqué tout cela pour une dire une petite chose. Qui savait une petite chose qui existait longtemps, dit partie commun, du parti PFLI, mais c'est moi qui ai une petite chose qui finit prédire qui pourrait dans ça. Comme Méchisédek. Ok? Et aujourd'hui, moi, tu as envie d'expliquer je maintenant. Mais faire avec pourquoi, mais rentrer dans un détail aussi précis, profond, de vous travailler, de vous gratter ça, pas à nous. Vous êtes amen? Amen. Maintenant, pourquoi participer faire ça dans l'Ancien Testament? Quelle est la raison participer faire ça dans l'Ancien Testament? Beaucoup de gens disent, quand vous prenez l'exemple de Kosi, Kassman 8, l'église que toi, elle est là. Mais maintenant, tu fais comment se faire ça là? Dans le Nouveau Testament, mais qui fait dans l'Ancien Testament, pas de faire ça? Nous avons une question aussi semblable. Mais nous devons connaître vraiment pour répondre à cette question. La première chose, c'est que je viens comprendre, c'est qu'il peut prendre nous aller doucement, doucement. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre et un Dieu de saison. Écrire ça. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre et un Dieu de saison. Cela doit être vu dans la création de la terre. Dieu, pas fini, Dieu. Tu connais Dieu qui a fait le miracle qu'il a fait? Pourquoi, de déjà poser la question, pourquoi Dieu, au premier jour, il crée ça, au deuxième jour, il crée ça, au troisième jour, il crée ça. Mais Dieu, dans le seul jour, il a créé toutes les choses. Et il a un message extrêmement important que Dieu a envie de passer. Dieu est dans ce jour, ce lait, ce façon. Beaucoup de fois, on a envie de toutes les choses. On a trouvé un enfant qui est un peu mal élevé, il a envie de tout faire. Les sages. Dieu se manie pas dans la vie. Nous habitons, tu as dit, deux petites choses que Dieu ne pas faire. Dieu pas faire tout quelque chose un seul coup et Dieu jamais servi la sorcière. M'aurait dit. Frère, mais Dieu pas servi la sorcière. Non, spirituel. Regarde la vie de Moïse. 40 ans d'en parler. 40 ans dans le désert, 40 ans. C'est-à-dire que Dieu, il y a un Dieu de séquence. De la vie, Dieu travaille toi. Quand Dieu travaille toi, Dieu travaille de base. Frère, voulez ça. Attends. Tout ce que je veux dire, attends. Maintenant, il y a un secret dans la création, qui Dieu vient faire pendant 6 jours, 7e jour où il me reposait. Il représente que Dieu est la façon qu'il travaille. Il crée une petite chose, une pause. Il recrée une petite chose, il y a une pause. Il recrée une petite chose, il y a une pause. Il parle de Dieu, il a l'idée que quelque part dans nous la vie, il a des fois de trop pressé pour tout à fait. Get Dieu so magnificent, s'il travaille. Les gens trouvent qu'il y a des fois faire, moi les faire ça. Et là, des fois, on nous croise les bras, ne pas dire, dis-moi, non, parce que si vous avez dit, vous venez en plus. Mais là, des fois, vous allez croiser les bras parce que ça m'a dit, moi, quand j'ai envie de faire tout ça, je te maille aux autres mêmes. Les gens trouvent que vous pouvez calmer tes voix, les rayer même. Come on. Je fais comprendre moi? Nous nous donnons nous-mêmes les temps. Les temps pour réfléchir. Dieu, il y a Dieu qui agit. Parce que, pas oublier que la patience, ils font partie du fruit de l'esprit. Amen. On va continuer? Amen. Maintenant, Dieu, pour qu'il y fasse toutes affaires,
ça fait trouver dans sa création qu'il n'y a pas peut-être tout d'un jour, mais il a voulu un message qu'il fait tout quelque chose pour une raison. Il crée, il ne sait pas la nuit, le jour. Mais le deuxième jour, il fait ça. Le troisième jour, il fait ça. Le quatrième jour, pardon. Le cinquième jour, il fait telle affaire. C'est que Dieu, quelque part, il connaît qu'il est fait. Je veux dire, il connaît qu'il est fait. Écrire trois quelque chose, ça pourrait être beaucoup dans toute la vie. Trois choses. La première chose, c'est que Dieu, il travaille en étapes. Dieu travaille, je veux dire, Dieu travaille en étapes. Amen. Dieu va prendre l'exemple, va prendre l'exemple de toute la vie. Et dans la saison suivante, sur les guettements des vies, guettement des vies d'après ce décret. Beaucoup de fois, il y a une saison de la vie que Dieu travaille dans un fait spécifique, que vous êtes qu'on discerne. Et là, des fois, dans une saison, Dieu travaille toi la façon qui te jette finance. Comment tu finis faire ça? Pareil, comment tu as besoin de game. Amen. Pour ne pas dire je tâche de game. Hein? Faut d'abord finir stage 1 pour me rendre stage 2. Faut d'abord finir stage 2 pour me rendre stage 3. Ça veut dire de la vie, que tu as quelque part, ton vie de l'avant, faut quelque part te finir une stage. Là, Dieu pousse-toi au deuxième. Quand il finit deuxième, il pousse-toi au troisième. C'est-à-dire que Dieu, sa façon de travailler, il en est un. Rappelle ça tout le temps. Si tu m'as dit quelque part pendant des années, tu peux tourner l'OM seul, c'est que quelque part, tu peux rater un petit chose que Dieu a envie de montrer. Vous avez suivi moi là? Ok? You're getting me? Vous êtes là? Amen. Amen. Je vais réfléchir. Amen. Premier, c'est que, à ce cas, premier, c'est que Dieu travaille en état. Il travaille en état. N par N. Précepte par précepte. Vous connaissez bien cela? Un peu ici, un peu là. Mot par mot, précepte par. Bout par bout. Pas oublier. Tout en rappelle la vie de Joseph. Tout en rappelle la vie de Moïse. Amen. Tout en rappelle la vie d'apôtre Paul. Vous trouvez que quelque part, c'est maintenant l'étape de la vie. L'apôtre Paul libre, arrive à il rentre dans la prison. Regarde-moi, suis-moi bien. Pourquoi il rentre dans la prison? Dieu t'a envie, il craint. Ils ont dit qu'il se l'est de côté. Il peut encore instruire l'église. Amen. Il passe un moment difficile, mais sinon ça peut encore instruire l'église. Dieu est dans l'étape, ça, l'étape là, peut-être Jumbo, mon cause en toi. Reste dans la prison. Attache-toi. Reste ça même. Maintenant, personne parmi de toi, qui te fait ton guet miracle? Non, là, moi, inspire-toi. Comme moi, inspire-toi, prends-toi plus. Renette Kiken, mets à côté d'aller. Comment s'écrire? Dictez. Arrive à un certain moment, tellement, Paul est dans un problème, l'IG, allez, écrire gros. Arrive à un dit de manière qui est venu, assis-toi là. Dire, écrire ce qu'il pouvait dire. Tout ça là, c'est mal l'étape de la vie. Quelle étape peut être aujourd'hui? C'est à toi de savoir. Quelle étape de la vie tu dis? Et ça, il faut demander à Dieu. Qui te l'est? Moi, je ça de 6 ans. Qui saison où était papa? Amen. Vous êtes là même? Et deuxième. Tout ce que Dieu fait, il fait pour être but. Dieu n'a jamais fait quelque chose pour n'en rien. Dieu n'a jamais quelque part, pour prendre l'exemple, beaucoup de gens croient que, donne-moi bien. Beaucoup de gens croient que quelque part, Dieu, l'ivini, arrive à un moment, il trouve l'homme, il faillit. Il dit, c'est un problème là, mon âme, ça plan là. Allez, arrive l'ivini, il dit qu'il peut faire. Non, tiens, ça doit vous la tête. Dieu, l'ivini, connaît qui peut être là. Exactement. Dieu connaît qui peut arriver. Dieu connaît quand il vous donne le choix. Dieu connaît. Dieu, il y a un Dieu qui les connaît en avance. Il a un but. Et il connaît quelque part quand l'homme et la femme qui faillaient, il dit à la femme comme cela, te talon pour crasse la tête de Satan. Satan vous monte de talon. Il finit prédire que le seed, en anglais, on appelle ça le seed, que la semence de la femme vous crasse la tête de Satan qui révérend de Jésus-Christ. C'est bon pour moi? Amen. Maintenant, troisième, nous arrivons premier, deuxième, troisième, Dieu lui finit pré-planifier ma petite chose. L'inant dans ce latin qu'il peut faire, il finit pré-planifier. C'est-à-dire Dieu lui finit connaître en avant qu'il peut faire, qu'il ne peut pas faire. Amen. Maintenant, pour qu'il s'appartienne célébré dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu partit trouver utile à sa époque là pour célébrer. Mais frère, qui fait? Ok, nous avons dit maintenant. Dans l'Ancien Testament, il n'est pas encore utile. Parce que nous pouvons aider comment Dieu agir. Trois choses importantes. Vous pourrez dire Dieu travaille avec mon état. Dieu lui fait ma petite chose avec un but. Troisième, Dieu pré-planifie ma petite chose. Amen. L'exemple. Vous êtes suivi moi? Vous êtes la même? Amen. L'exemple vient de Jean-Baptiste et le baptême. Jamais dans l'Ancien Testament, pas de fin suivre, donc elle est facile. Jamais dans l'Ancien Testament, pas de fin dans le baptême. Mais un beau jour, c'est un petit qui t'y naît, fils de Zacharie et d'Élisabeth, grandit.
La Bible dit comme cela, d'une fin à dans le désert, ce qu'un jour il apparaît pour lui faire le travail qu'il a. Le secte, tellement il y a plusieurs sectes et de ma juif, un parmi qui et Jean-Baptiste qui attachait, qui vraiment quoi, tout le monde qui était capable quoi, c'était Man Essen, E-S-S-E-N-E-S. C'était Man Essen, pourquoi? Parce que Man Essen, je vis dans le désert, je te mange, je te nourris, juste sur ma petite chose qui vient, je te mets un morceau de chameau, et quelque part, je te une façon de purification par des l'eau. Vous avez compris moi? Ça veut dire qu'il avec maintenant, les rappelez-moi bien, les pannes paraissent jamais si zondis, nous disons qu'il y a un bon exemple du col de baptême. Tout le monde nous amène faire baptême, et c'est le coup nous trouvons faire vivre, mais nous demandons, tout le monde commence à baptiser, on te dit l'eau. Je vais vous trouver ça, demander quelque part, que d'une sortie, c'est à côté de l'eau. Mais c'est qui quelque part, lui dire, donc qui Jean-Baptiste dit à moi, celui qui n'envoie moi, il dit à moi à le baptiser, c'est Dieu qui l'envoie. Amen. Alors, c'est un but. Pourquoi? Parce que lui vous passe le flambeau à Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ prend le baptême et Jésus-Christ passe le flambeau à mon apôtre, il continue ce qu'il a dit. Nous, nous pouvons passer le flambeau, nous qui allons concernant le baptême. Tu arrives sur l'époque pour ça commencer. Amen. C'est-à-dire que Dieu a un but pour commencer ça. Que Jésus-Christ même vienne être baptisé. Parce que Jésus-Christ dit moi, Seigneur, moi, Jean, Jésus vient envers Jean-Baptiste pour être baptisé. Jean-Baptiste dit à Jésus-Christ, Seigneur, mais toi qui nous as baptisé, moi. Il dit non, fais les pour qui tout qui se accomplit. Ouais. Vous avez compris comment la Bible pense être réelle maintenant? Amen. Ça veut dire que tu arrives sur l'époque. Maintenant, pareil, comment ça vient arriver pour Jean-Baptiste, tu disais de l'époque pour qui le saint repas du Seigneur ait commencé. Qui est l'auteur du saint repas du Seigneur? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. À la base, mettez ça bien dans la deuxième. Dites-moi, allez, quand tu entends ça, tu dis c'est Jésus-Christ qui dit à nous, c'est le saint repas du Seigneur. Nous allons guider maintenant. Comment ça tu peux faire? Amen. Amen. Maintenant, Jésus-Christ, il vit comme le Fils de Dieu. La discipline de Béthiane. Les vignes disent quelque chose qui vraiment, vraiment dire. Personne ne va venir comprendre. Nous allons lire là. Nous venons la Bible toujours dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 51 à 53. Ouvrez la guette-moi un petit toujours. Jésus-Christ, il dit des affaires que personne ne va comprendre. Nous situons-nous dans l'histoire. Tout le monde nous déguise ce qu'il y a là. On rentre en Israël. Nous l'imagination de cet esprit nous amène. Nous tous, nous sommes des juifs, nous habillés comme un juif dans l'époque ancienne. Nous sommes en Israël, là, actuellement. Visionne-nous. Quand nous sommes en Israël, nous trouvons Jésus-Christ fait passer devant nous des milliers de miracles qu'il fait. Quand des milliers de miracles qu'il fait, nous devons trouver qu'il m'a arrivé censé. M'a arrivé, moi, c'est pas le Messie. L'autre dit, vous pouvez dire ça, ça, ça. Mais nous, nous avons guetté qu'il peut arriver. Maintenant, quand il y a guetté qu'il peut arriver, nous rentrer, Jésus-Christ n'est que dit, vous dit comme cela. Maintenant, j'ai dit comme ça, mais qui devait faire? Bon, qui l'autorité devait faire ça? Jésus-Christ dit à maintenant comme ça, d'être sa temple là, de tout sa temple là, de tout guetter. Il vient détruire sa temple là de trois jours pour rébâtir. Dans cette époque là, nous connaissons, nous tout nous facile pour dire Amen. Mais à cette époque là, je suis posé une question, mais il y a 46 ans pour en savoir. Mais toi, moi, de trois jours, c'est que Jésus-Christ est là pour comprendre qu'il ne parlait pas du bâtiment, il parlait de son corps. Ça veut dire dans ma petite chose qui est spirituelle qui nous a suivi. Ce n'est pas le filière intellectuel qui nous a suivi. Amen. À cause de ça que Jésus-Christ dit, celui qui a accepté le royaume de Dieu pour être 10 enfants, il peut rentrer. Amen. Un 10 enfants, vous dites bonbon, bonbon. Vous dites plume, plume. Vous dites rouge, les verts, il dit rouge. Parce que il n'est pas accepté que sur l'intelligence, mais accepté que sur les guerres. Ou des gens sont un intellectuel, moi, je suis un intellectuel. Ou je suis un Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dit, non, on ne va pas là-dedans. Pourquoi? Parce que qui est Jésus-Christ? Des millions de ces lazos qui ont coupé. Vous êtes cause et vous êtes l'intelligence. Tandis que vous avez un dimon qui paie dans l'intelligence. Vous causez en lui. Jésus-Christ, il m'a dit, tiens-moi dans vos péchés, mais là, donne-moi à la vie là. Qui différence énorme? L'intelligence. Nous avons besoin l'intelligence. Mais c'est moi, nous ne sommes pas capables de comprendre Dieu avec l'intelligence. Nous vous êtes comprendre Dieu par révélation, par l'équerre. Amen. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu par l'intelligence. Nous devons comprendre Dieu par l'équerre. L'équerre qui vous fait comprendre Dieu. Je t'amène, quand vous comprenez Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton intelligence, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça qui peut amener toi vers mon Dieu. Je prends l'exemple. Je cause l'enlèvement
Un dit monde qui est intelligent, jamais peut exister ça. Qui dans les mots, dit monde qui disparaît comme ça, voilà. L'intelligence, quoi. Mais nous, quand nous croyons, amen. La Bible dit comme cela, la, de Jésus-Christ, dites-moi comme cela. Toi, te mettre les doigts dans vos plaies de croix, mais heureux ceux qui parlent trouver mes filles croient. C'est la même. L'enlèvement, pour aller, mot pour aller, mot pour aller. Parce que pourquoi? La Bible vient dire, amen, à cause de ça qu'il faut croire, il faut croire dans ce que la parole de Dieu vient dire. L'important de comprendre Dieu dans notre cœur. C'est la même. Oui, bien. Je vais réfléchir. Amen. Maintenant, je vais dire une petite chose. Nous lisons ça dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 51 à 53. Thank you, God. Nous y allions ensemble? Amen. Allez, ok. Même ceux qui ont la maison, nous y allions ensemble. 51 à 53. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je donnerai pour la vie du monde. Regarde qu'il dit. Là-dessus, les juifs disputaient entre eux, disant, comment peux-tu nous donner sa chair à manger? Suive-moi bien. C'est un sujet de scandale. Beaucoup de disciples qui suivent lui arrivent à un certain moment quand nous continuons, nous trouvons la plupart qui disent comme cela, qui sont l'enseignement, ils trop dire, vous vivez moi les. Parce que ce qui fait suivre Jésus avec l'intelligence. Là, il faut comprendre la parole de sa dernière temps, nous ne pouvons pas comprendre la parole pour l'intelligence. Nous pouvons comprendre la parole pour la révélation, pour le Saint-Esprit. C'est lui qui vous guide nous. Maintenant, dans sa douza, maintenant que Jésus dit de parler, il dit, Seigneur, c'est toi-même. Pierre dit, Seigneur, c'est toi-même qui donne nous la vie. Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Comment nous parler? À qui d'autre nous irons-nous qu'à toi? Il est important de comprendre maintenant. Et nous continuer à ce qu'il dit. Il dit, celui qui mange de la chair est dans la vie. Maintenant, nous lisons complète. Amen. Nous lisons complète et nous terminons. Vous pensez qu'il vous a terminé sur cela. Amen. Parce que la semaine prochaine, je vous guette la différence entre les deux. Amen. Mais avant moi de l'avant, donne-moi bien pour expliquer une petite chose. Le livre, ça même chapitre, le chapitre 6, le verset 6, nous y allons ensemble avec. Nous terminons dans quelques minutes. 6-6. Tous, beaucoup de moi, Jésus nous dit, il dit comme ça là, parce qu'il partait dans dialogue pour lui dire non. Toutes les paroles que Jésus-Christ a été dit, il dit, faut pas dire non, ni de moi, c'est le Père qui me dit, on m'a dit, à cause de ça qu'il me dit. C'est-à-dire que toutes les points et les i de la parole de Dieu, faire beaucoup attention quand Jésus-Christ prononçait. Il est important. Regarde le chapitre 6, le verset 6. C'était l'histoire. C'était l'histoire de la multiplication de pain. Le verset 6, il disait cela pour l'éprouver quand il savait ce qu'il allait faire. Il dit maintenant comme ça, étonne-moi bien, je tout bien faire. Il dit maintenant comme ça, mais qui s'en a pour nous autres manger? Il y a quelqu'un de nous autres. Il dit, bon Dieu, Jésus, mais tout ça, il y a plus de 5000 hommes, mais comment nous pouvons nous autres manger? Il dit, connaît qu'il dit pour faire. Amen. Ça veut dire que quelque part, on retourne dans ce même chapitre-là, il dit, connaît qu'il peut dire par rapport à ce disant et que cela chère. Je vais comprendre moi, mais il ne faut pas nous maintenant sur le facile, heureusement par la puissance du Saint-Esprit, qui ne sait pas nous trouver, qui passe sa lâcher à qui peut dire là. Mais il y a un secret, le Dieu, il y a un secret. Amen. Et aujourd'hui, donne-moi bien, ça pour sens. Moi, arrête-nous là, parce que dimanche, nous vous célébrons le Saint-Repas du Seigneur. Ça, quand nous vous lisez ça, et nous allons continuer la semaine prochaine, nous vous faire un parallèle en deux chapitres, deux versets, et nous allons comprendre maintenant qui dit dire, qui dit pas dire, quand nous comprenons ça, et là, nous allons comprendre. Mais là, aujourd'hui, on arrête là pour comprendre quelque chose. Je vous lis encore. Dieu vous va prendre un secret. Et dimanche, quand je vous prends le Saint-Repas du Seigneur, je vous connais qui secret est là-dedans parce qu'il nous termine sur cela. Ok? Le verset 51. Pareil. Lydia comme cela, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Ça veut dire tant moins bien. Ça, c'est un repas qui fait passer là-là. Il représente le corps de Christ. Il représente le sang de Christ.
Et quelque part, dès qu'il dit, c'est qui ça l'a fait causer? C'est le Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il quitte le ciel, il pas dit non nier pour non nier. Il connaît qu'il peut dire, il connaît qu'il peut faire. Et dès qu'il dit comme cela, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et nous tout connaît, peinant aucun disciple qui n'attrape Jésus, coupe sur la chaîne, il mangeait le bois de ce disciple. Pas fin d'arriver ça. Parce que c'est une chose élaborative. Jésus puis explique une chose là-haut en une chose pour un exemple d'en bas. Et c'est qui quelque part, il dit, donne-moi bien le pain qui nous peut manger quand nous prenons le saint repas du Seigneur. Amen. Et il est important de comprendre ce petit pain-là, comme on m'en dit, permette-moi vivre éternellement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit, si tu ne pas manges de ma chair, tu ne pas bois de mon sang, tu ne pas prendre aucun pain. C'est amen. On retire. On va lire ensemble jusqu'à 53. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux et disaient, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment il nous donne sur la chair? Regardez Jésus-Christ, leur dit en vérité, verily, verily, certainly. Je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Car celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Nous arrêtons sa pièce et la maudite. Balielli, comme on a dit. Aïe, frère, la paix passée que vous avez mis de nous le bain. Et prends le sang. Sans qu'il nous réalise, c'est une vraie nourriture. La Bible dit, pas frère, un Bible qui dit. La Bible dit, Jésus-Christ connaît qui il peut dire. Semaine prochaine, vous balance tous les dés, nous allons comprendre les profondeurs de ce qui est non dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand je vous prends le saint repas du Seigneur dimanche, tu vois, nouveau, qui fait que je trappe le pain. Non, non, mon frère, saisis cette routine. Oh, les anciens, les routines fassent des chrétiens mourir. Quand on rentre dans une routine, on mort. Parce qu'on peut perdre la perception de ce qu'il était. L'idée, si tu prends le pain, tu prends le vin, tu manges, tu bois, tu lâches, tu maudissant. Au dernier jour, c'est sa bénédiction. Au dernier jour, on pourra ressusciter. Amen. Pourquoi? Parce que ma chair, nous fait clair, ma chair est une vraie nourriture. Mon sang est une vraie breuvage. C'est que si tu manges de ma chair, tu bois de ma sang, c'est qu'il te faut dans la vie. Et moi, reste là. Quand tu prends le pain, tu prends le vin, le fruit de la vie, vous dites le fruit de la vie, amen. Pas oublier, tiens sa conception divine, l'alcool. Tiens ça, effacez ça. Amen. Amen. Quand tu prends le pain, quand tu prends le fruit de la vie, c'est que tu prends la bénédiction de Christ, le ciel, en toi. Me dites, vous comprenez? Hein? Pas rentrer dans une routine. Nous ne désentrouvons pas des gens qui sont malades dans ce placard. Poussez par le Saint-Esprit de faire le Saint-Repas, acceptez le premier. Waouh, guéri. Nous trouvons des gens qui ont des ans de témoignage. Des gens qui veulent prendre la Sainte-Sainte, mais guéri. Boum. Oui. Déçu. Parce que pourquoi? Mon vie, j'ai dit. Mon vie, j'ai dit, just downloaded from heaven. C'est que le Saint-Esprit parle à l'Église. Les valeurs du Saint-Repas du Seigneur. Il commence à effondrer. Puis il arrive bien pour rebâtir les anciens ruines, pour répéter l'eau sur les stades. C'est amen. Dimanche, quand le Saint repas du Seigneur va passer, nous gagnons un petit bout là. C'est une véritable nourriture. C'est un véritable breuvage. Il vous rentre dans la vie. Mon envie d'y encore une fois avec eux. C'est amen. Et on va rendre grâce juste après ça. Amen. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, je donnerai pour la vie du monde. Le verset 53, on va relire et on va terminer. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et vous buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Le verset 55,
car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Amen. Quand on te prend le saint repas du Seigneur, les caractéristiques de Jésus-Christ rentrent en toi et toi tu demeures parce qu'il te met participer à sa l'écho qui déchirait sur le bois de la croix. Ce sang qui versait sur le bois de la croix, ça fait pénétrer spirituellement de l'âme et dit de toi la vie et la vie en abondance. Amen. Parfait, non, ni, bon, vagina. C'est fini, on se met debout. Amen. Amen.